Cette fille est hystérique. Ouais, elle va tout faire péter. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On explose. Assez. C'est cassé, mais si on... Ah mais ce sera la méga cata si on lance le missile par erreur. Est-ce qu'on devrait pas y aller un petit peu mollo quand même? Bonne idée. Ouais, c'est pas si con. C'est étrange de ta part, bonne idée. Login in system, check ID, check all system, BIOS, memory, network, safety unit, welcome to HTMS. Dum, dum, dum. Ah si, c'est trop le logo des... Ouais, ça me dit rien. Des Elgast. Enfin, Elgast, ça me dit rien du tout. Qu'ils ont... Tu vas dans le target? Ouais, je sais. Ouais, d'accord. Il faut pas charger les données avant? Je sais même plus où ils sont les menus. C'est tellement le bordel, le truc. Data upload. J'ai bon? 7 erreurs ratio. Ah. Non, fait non. Tu le mets au maximum. C'est la vitesse maxi qu'on peut faire là, hein. Putain. Là, je suis à fond à droite. Et oui, pour aller à droite, appuie sur droite. Et pour aller à gauche, et appuie sur gauche. C'est vachement bien foutu, jamais. Et t'as vu ça un peu? Ils sont partout. Là, par contre, tu peux. Maintenant, tu peux. Upload. Tu peux upload les data. Et oui. Avec le plus beau système de upload du monde. C'est beau. On croirait pirater la NSA. Et... On dirait Premiere Pro. On dirait D-Yard. Putain. Avec la princesse anglaise. D-Yard. On pirate le pawn de l'Alma. Charge le plasma des piliers et tout. Oh, ce jeu sur portable. Bon, ce serait épique. Alors, ouais, on se missile. Confirmer l'armement avec la touche directionnelle. Tu peux pas faire grand chose là, mais si t'appuies sur carré ou triangle, t'auras des animations différentes. C'est un vieux système, il faut entendre les coordonnées manuellement. Bah ouais, évidemment. Peut-être en plaçant le taux d'erreur au maximum, on fera de bien le tir. C'est ce qu'on vient de faire. Connasse! Je veux sortir, voilà, merci. Ouais, là, c'est, normalement, c'est bon. Ah, on fait la simulation, quand même, pour voir. C'est moi, j'aime bien quand ça simule. Oh, Dieu. Ouais, parce qu'une ligne droite, c'était trop chiant. C'est honteux. Un virage à 45 degrés, les missiles. Mais ils sont stylés, ils ont un œil, les missiles, en fait. Je sais pas si tu te rappelles. Pas vraiment. Et d'ailleurs, c'est une des rares fois dans les FF, dans le 6 et dans le 7, qu'on a une cinématique de game over. Parce que si tu rates, en fait, les missiles, ils défoncent balle en deux. Et t'as la cinématique. Comme dans le 7, quand tu rates le truc du train, le train il défonce Corel. Ouais. Normalement là c'est bon. Hein. Ouais. Ok, on se casse. Plus qu'à sauvegarder. Ouais, c'est vrai, c'est une sage idée ça, effectivement. Merci monsieur Torres. Je prendrai plus le chien dans Dragon Age du coup. Il faut savoir que Trunk a rename un chien dans Dragon Age qui fait en live sur sa chaîne Hitbox. Cette pub, ce placement de produits cachés. T'as vu ça? Cette zone est interdite, vous n'avez pas le droit d'être là. Ah, tu fais... Putain, on se croirait dans le Seigneur des Anneaux. Passe ton chemin, enfant de Juron. On vient faire notre rapport sur le lancement des missiles. Ah, d'accord. Allez-y. Ah, t'as raté ton tenant. Et n'oublie pas, la clé. Non, Jean, on engage vraiment des gosses dans cette armée maintenant. Ah, je t'ai fait pas dire. J'avais lu, on engendre vraiment. Tout est prêt, commandant.
tout est à l'ordre. Légère. Ah merde, je croyais que c'était. Non, non. Vas-y, je les fais pas tous, s'il te plaît. Oh putain, d'après Légère, t'as. Tout devrait fonctionner maintenant. Oh, vous allez commencer la phase finale du LSMA. À mon top. Top. Oh, vous ordre, vous ordre. Sans. Putain, attention à tous, ici le commander. Ok, alors on se fixe. Nous allons maintenant lancer les missiles. Et tous à vos postes. Oh putain. Alors, c'est qui le patron? Oh, mais nodu de Chagas. Mais que faites-vous ici? Oh mon dieu. Oh mais. Oh mais coquin de sort. On vient faire notre rapport sur les missiles. Oh, oh putain. Oh, freeze. Plus un geste. Oh les mêmes pots de lapin, la maîtresse en maillot de bain. Vous êtes les terroristes. Oh oui, c'est vous les fauteurs de troubles, bande de petits mergoulés. Inutile de nier. La honte est sur votre casque, sur votre visage. Le salut que vous venez de faire était parfaitement ridicule. Eh oui, il est plus utilisé depuis 2 mois. Eh merde. On est au bon endroit, c'est tout ce qui compte. Oh, putain, mais que faites-vous? Oh mon dieu, ah, mes mirettes. Et voilà, j'ai tout appris en regardant Sailor Moon. Ah, j'en avais vraiment marre de cet uniforme dégueulasse. Fou. T'es bien, t'es bien. Ah, c'était pas mal. Oh, ça se passera pas comme ça. Moi, je te le dis. Tiens, va, je vais te pointer ta race. Oh, c'est merde. Folie. Oh putain. Ok, vous avez que de la merde à voler. C'est bien, c'est que les dégâts corps à corps, ça empêche soit de la folie. Comme en vrai. Comme en vrai d'ailleurs, dans tous les hôpitaux psychiatriques. Les hôpitaux même, psychiatriques, c'est ce qu'on utilise. Hein. Le corps à corps, les électrochocs. C'est connu que ça soit de la folie. Adieu Igor et Grishka. Putain, comment allez-vous? Oh, tiens, Blondas. T'as quel niveau là à peu près en ce moment? 15-16. D'accord. Mais bon, j'ai redoublé aussi. Hein. Tu veux le tenter en. C'est chaud quand même. Bah, on va être obligé parce que sinon on va être obligé de poireauter donc. La porte elle s'ouvre à 10 minutes, c'est ça? Mmh. Ça va être chaud. On peut tenter. Hein. On peut tenter. Parce que sinon, on est obligé d'attendre que la porte elle s'ouvre. Et c'est chiant. Je crois que c'est. Ou on peut repartir dans l'autre sens, je sais plus. Plus trop. C'est ça. C'est ça quoi? Faudra tourner en rond. Ah oui, donc. Je suis désolé, j'essaie de regarder un peu la soluce en même temps. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce passage. Mon plan, stopper les missiles, exploser cette base, puis rentrer chez nous, ok? Un petit tableau de bord doit servir au lancement d'un mission. Chacun y cherche le bon écran, ok? C'est comme un dieu des cache-cache. Au lieu de piste qu'il faisait quand il était petit. J'espère que Gremartin va pas s'en mêler, sinon ça va mal finir pour notre gueule. Alors. Voyons voir. J'ai trouvé. Putain, c'est vraiment de la chance. Ou un mauvais scénario de. Bref. Ce bouton-ci, ce bouton-là. Voilà, c'est bon, j'ai même pas fait de faute à scier ce. Trop facile, maintenant on doit juste trouver le système d'autodestruction. Ce petit côté crawling flèche. Et oh, où tu vas? On n'a pas terminé. Ah, c'est bon, toi. Certainement là. Je pense pas que ce soit celui-là. Elle met un gros coup de tête dans le clavier. Là. Yeah. Je pense pas que ce soit celui-là.
Bon, alors ça doit être certainement celui-là, qui était juste à côté de l'autre. Non, toujours pas. Peut-être là, il n'y a pas d'écran. D'accord, fallait tous les essayer avant, logique. Ok. C'est le dispositif d'autodestruction de la base, c'est marqué dessus. Comment ça marche ce truc? Si je mets un coup de tête, peut-être. Faut choisir une durée. Faut mieux être réaliste, 40 minutes. Non, c'est ça. Elle s'ouvre au bout de combien de temps la porte? 10? Ou 20? 10 minutes, c'est bien. Normalement, c'est largement jouable. Ah ouais? Oui, t'inquiète. D'accord. Trust me, I'm an ingénieur. Comment ça marche ce truc? Autodestruction enclenchée, 10 minutes avant la mise à feu. Attention, évacuation immédiate. Oh là là, faut pas... Cassos. Ah oui, la porte est en verre maintenant. Et c'est la porte du début. Oh, comme de par hasard. Oh putain. Ah non, c'est pas moi, je suis mort. Oh putain. Il est tellement mal qu'il a pris un accent. On m'avait dit que c'était contagieux. Non mais c'est la base du sud, là. La base du sud-ouest. La base du Maghreb. Ouh, ne vous en tirez pas si facilement. Parce que je ne passe, mais c'est du copyrighté. Ah mais c'est quoi ce bruit? C'est certainement rien. Déjà, on peut pas sauvegarder, c'est sympa. Cassos! Putain, Cassos! En fait, le truc, c'est que la porte, elle s'ouvre pas. Oui, c'est ça. C'est, ah, oui, c'est une vraie mission suicide. Ouais, bah, c'est bon. Ils étaient combien? On sait que vous vous barrez. Là, il reste plus que 8 minutes 30 pour lui péter sa gueule. Piu piu piu! Ah fuck! Et puis en plus il y en a 12, hein! C'est au cas où ils ratent! Oui, nous à Galbadia, les missiles, on les envoie par 12! Après tout, c'est le contribuable qui paye! Oh putain! Ah oui, je suis le frère du commander, vous ne sortirez pas vivant, pas le cul! Putain! Les DM ne me pardonnera jamais, je tiens pas à subir un seul courroux! Plus vite, il n'y a plus que 8 minutes! Allez, soldats! Oui, commandant! Oui, commandant! Putain, c'est vous êtes les mêmes. Allons-y. Je sais pas si je le mettrai celui-là parce qu'il va être court à placer. Ouais. Ouais, le problème c'est ça, c'est qu'il reste plus que 8 minutes. Mais il conseille de faire beaucoup d'attaques physiques et léger force. On va faire péter le turbo parce que là... Ah puis c'est vrai que celui-là il est en mode couteau no ken quand il attaque. 400. Moi je crois en toi. J'aimerais tellement qu'il sur QWERTY fasse le t-shirt. Tu sais, t'as la marque North Star. Et bah t'as la version North Star mais avec la tête de Kenshiro à côté. C'est juste épique. Mais quoi, il a 8000 ou 10 000 points de vie celui-là? Peut-être comme ça. Bah, tout dépend, si on est dans les levels 15, il doit être aux alentours de 6000. Par là. Ça va. Il a déjà pris 1000. Ah oui, forcément, c'est pas de la foudre. Ouais, ce qui est chiant, c'est que à chaque fois, bah. Demandeur! On va se faire demander! 6 minutes, putain. Ça passe, large. Ce qui est chiant, c'est qu'il y a des micro-cinématiques à chaque fois qu'on pète une des turbos. Ah! Comme Ned! Oh, ça passe. Dis-moi que t'as un... Ok, tu sers à rien. Bah attaque avec un
C'est de la merde, ok. Merci. Merci Irvine. C'est plaisir. Mais là, l'attaque est plus rapide quand même. Ouais, spam c'est... Golgotha ça et faire des attaques, je pense que c'est. Je vais essayer de leur mettre booster peut-être. Enfin, j'aurais jamais dû passer à 99. J'ai risqué. J'ai dû l'enlever 3000 ou 4000 avec le Golgotha qui arrive. J'espère qu'ils ont pas basé les HP sur le level 20. Laisse-moi tranquille. Ce serait des putes quoi. Parce que là c'est 18000. Non je déconne. C'est un salaud. Normalement il faut encore un et après il est presque mort. Protéger notre protection. Ouais, non, c'est pas rentable l'attaque physique, je crois. Ouais. Même si c'est plus rapide, 89 au lieu de 400. Ouais. Non, mais peut-être spam un Foudre X. Ça reste 300. Au pire, game over! Yeah. Mais non. Je croise en toi. Ouais. I believe you believe. T'as bien de la chance. Tellement borderline au niveau du turbo à chaque fois. Ça existe encore cette expression? Je sais pas. Ah oh, l'arnaque que 800 quoi. Ouais mais tout à l'heure j'ai fait vachement plus, hein. J'étais à 230 parce qu'en 130 en. Là le 53. Oh putain tu vas mourir selfie. Salut. Bah j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Ça serait bien que je puisse la ressusciter mais ça pue du cul. Putain, ça fait défoncer. Il a mis un Final Flash. Heureusement qu'on a des V-Max. Hein. Mais je crois que c'est elle qui les a. Ah oui, mais c'est Selfie qui les a fait. Ah merde. Mais j'aurais dû y penser quand il a plus que deux tourelles et il fait ça. Il fait que ça, je crois. Même. Oh putain, j'ai du bol, Golgotha, il est encore là. Vie, balance vie, balance vie, balance vie. Voilà. Voilà, mets bien 10 secondes pour la balancer, on s'en fout. C'est pas comme s'il nous restait que 2 minutes. Connard. Allez, on prie pour que ce soit le dernier. J'ai pas compté, mais ça devrait être à peu près bon. Concentration. 123 à mon avis, je fais 1000 de dégâts, là, normalement. Toi, je crois que j'ai fait 122 au premier. Ouais, c'est presque ça, un 980. Ouais, c'est bon, c'est fini. Qu'est-ce là ? Bah, il reste un tout petit combat contre des gens. Putain, ouais, j'ai même pas le timer. Ma gueule, crevée ! Ah, putain ! C'est juste un peu quand même. Je vais les égorger. On va tenter, hein. Ouais. Ça va nous faire gagner du temps normalement. Enfin, si elle met pas 10 plombes, elle est lancée aussi. Voilà. Voilà. Merci, selfie. Je veux que les gens dans les commentaires disent merci à Selfie.
C'est celle qui nous a fait gagner. Putain. Ah bah, et encore, faut se barrer maintenant. Non. Ah non, la porte est ouverte, c'est bon. Non. Ah oui, ça, je me rappelle. Yo me rappelle, Marty. Ah mon dieu. Ah, la porte est fermée. Qu'elle va t'en faire, ah là 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 là. Madre de Dios. Est-ce qu'on peut rentrer dans la base qui va exploser? Alors là, ton niveau 6 de ping. On est enfermé. Je connais ça qui prend du reste. Oh, c'est con. Mais est-ce qu'il pense à organiser la fête de l'école? J'en doute. Quel dommage. L'échec total. Finalement, c'est plutôt calme comme ça. Squall m'a toujours détesté. C'est pour ça que je suis là maintenant. Ah, mal, les fils et des putes. Mais qu'est-ce qu'il vous a raconté? Squall nous a choisi parce qu'il comptait sur nous. Il savait qu'on allait mourir, mais il savait qu'on allait réussir quand même. J'en suis persuadé. J'en mettrais mon bras au feu. Ou ma main. Il y a confiance en nous. N'est-ce pas, Squall? Je vais l'appeler Squall. Ah putain, merde! Michael Bay, putain, t'abuses. Cette explosion thermonucléaire, on en reparlera plus tard. Ah bon? Oui, oui. Génial, le vaisseau est sauvé. On dirait qu'ils ont réussi, ou alors on arrive peut-être un peu trop tôt par rapport au missile. C'est exactement ce que je viens de dire. Il faut avertir le proviseur. Mais vite! Ravi que vous acquiesciez. C'était dur à dire, ça. Je me suis lancé là-dedans sans filet. Ouh! Alors, Squall Quistis, on est d'accord. Et Selfie Linoa et... Et Zellervaid. Parce qu'ils sont tous les deux cons. Pour la vigueur. Ouais. Et... ouais. Alors. Non, toujours pas. Il en est où, Ouais, il en est au quart. Il y en a au quart de pied. Quart de pied? Que racontes-tu? Je sais que c'est carabistouille. J'ai trouvé vite l'improviseur! Ah, pas de sablé! Non, c'est pas de briser, lui. Ah, merde. Que se passe-t-il? Ils évacuent le bâtiment? Attrapez-le, mort au vif! Quoi? Allez, vite! Quoi? Hé, hey, Claude François, tu veux pas nous expliquer? Oui, allez, vite! Tant pis. On est sourds. Ça fait bizarre un peu, quand même. Je sais pas par où ça rentre, mais... Et on le sent bien! Date BGU, quand même. J'avoue, cette map de combat est plutôt classe. Un let's play de Fantasio. C'est super efficace. C'est super efficace. La pute. Celui-là, faudrait que je l'envoie à Aquilon. Elle va kiffer. Frère Gabi. Prie pour nos péchés, quoi. Putain. Mets pas dans les fesses, s'il te plaît. Alors du coup, oui, on peut constater que les monstres sont un peu libres. Donc peut-être on va croiser un T-Rex. Ce serait cool. Ouf. Cela dit, maintenant que les invocations, on devrait s'en sortir. Parce que c'est les monstres de la sphère de combat. Hein, donc. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Et vous trois, et de quel côté êtes-vous? On est centriste. Répondez, êtes-vous dans avec le grand maître ou dans le camp de Hyd? Ah, mais ça se prononce vraiment comme ça? Je vois pas ce que vous voulez dire. Guerrier né ou grise toison? Quoi? Jurez-vous obéissance au grand orgue, grand maître de la Bgu? No habla la lengua.
Ici, je suis celui qui interroge. Je suis le grand inquisiteur. Obéissez aux ordres sans renacler. Renacler quoi? Je connais bien cette insolence. Vous êtes avec Shade, n'est-ce pas? Par le sifflet magique. Avec Shade. Beaucoup, mais... Énorme, est le seul maître de ces lieux. Je n'ai pas eu le temps de lire et je m'enfuis. J'ai pas le temps avec ces merdes. C'est un bon... C'est un méchant de Nicky Larson. Arrête de bouger pendant que je te tue. D'ailleurs, bah, t'avais vu, je me suis pris l'intégrale de Nicky Larson, enfin de City Hunter, parce que voilà. Intégrale non censurée et tout et tout. Et c'est des boobs. Ça fait plaisir. Bah, il y a surtout la VO, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est que dans City Hunter, en fait, t'avais des scènes censurées qui étaient pas vraiment choquantes, quoi. T'as une scène où t'as une nana qui parle de son père qui est mort. Ouais. Enfin, il y avait rien de très bizarre. Et du coup, là, dans ces éditions-là, même en français, quand tu regardes, t'as les scènes censurées qui sont mises. Bon, elles sont mises en japonais, du coup. Mais elles sont quand même dans les épisodes. Donc c'est plutôt agréable. Des cailloux magiques. On appelle ça des billes. Alors, vigueur associée, c'est qui a vigueur? C'est qui a Taurus plutôt? Ah, on s'en fout de toute façon, si on fait associer, on va voir la vigueur qui est vide. D'accord. Ok. C'est Squall. Oui, c'est moi. Je suis vif. Je suis vigoureux. Ouais, d'accord. Oh, Vimax en HP, c'est bien ça. Par la suite, on fera des trucs en manuel, hein, mais pour l'instant. Pour l'instant, on s'en branle. Ouais, enfin. Le truc est très bien d'association. Ouais. Basé sur l'attaque, la défense. C'est vraiment quand on pin Aira et que de toute façon on va mettre ça parce que c'est quand même mieux. C'est pour bien plus tard, c'est pour au moins le CD4. Oups, oui, il y a 4 CD. Mais je pense pas que le jeu soit sensiblement plus long que le 7 en fait. J'ai l'impression qu'il est plus court. Mais comme il y a plus de 3D, je pense que ça tenait pas sur les CD. Ah, tu fais la manche? Vas-y, tu veux un Gilles? Squall, la fac est dévastée, les monstres de la serre de combat sont partout, les Templiers les ont libérés, c'est la panique, Nick. Si tu y vas, prends ça. Oh putain! Ah merci. Ouais, méga potion. Putain, merci Christian Bale. Ouais, de loin. Ça va, Dra et Dra? De retour! Qu'est-ce qui se passe ici? Et pose ce transistor. Vas-y, j'en sais rien là. Au début, il disait ouais, tuer les Sid. Ça serait. Miskin quoi. Maintenant, tous prennent parti, soit pour le maître, soit pour le proviseur, et s'entretuent. Genre un battle royale et tout. Oh, c'est bizarre et tout. Ah, le conseil de discipline, il est pourri, t'as vu? Ouais, j'ai honte d'en faire partie, même si. Right, tu passes en premier à la cantoche et tout. Pourquoi les Sid sont-ils la cible? Où est le proviseur? Est-il vivant? Tant de questions que vous aurez dans le prochain épisode! Quoi? Vas-y, je sais pas et tout, trop de questions, tu la question. Pose-en une, peut-être je répondrai. On doit le voir immédiatement. Des missiles galvadiens ont peut-être été lancés sur notre université! Oui, parce qu'il a lancé son bras, donc ça veut dire que c'est intense. Quoi? Vas-y, faut foutre le camp d'ici et tout. Aïe, ah, salope! Ah vas-y, putain, vas-y, ça va, on y va, tranquille. On va prévenir tout le monde pour les missiles, pas le moment de se battre, hein. Voilà, quoi. Si on se bat vachement moins bien avec un missile dans la gueule, quand même. On va chercher le proviseur. Attention! Vas-y, ça tire de tous les côtés, là. On dirait Marseille et tout. Mais attention à ces clowns de Templiers, hein. Mais c'est les clowns des Templiers. Oh, salut les gars. Autre chose à branler. Le proviseur! Moi, je suis comme Fujin. Moi, je dis de la beuh. On est avec Cypher depuis toujours et pour toujours. Right. Jusqu'à ce que la mort nous tricarde.
rien compris. Seifer et la Lune de Prêtresse, vous êtes d'accord avec ça, vous? Oui, c'est à vous que je parle. Vous, les deux connards, là. Je peux pas vous garder en face parce que l'écran ne veut pas, mais... Mais je m'en pense pas moins. Surtout toi. Alors, on va faire le tour un petit peu, hein, parce qu'il faut faire le tour. Avant de tomber sur un perso qui va nous dire « Ah, mais non, mais en fait, il est là-bas !» On est passé 4 fois devant. Ouais, non, mais c'est parce que t'avais pas lancé le script. Oh putain, je fais attaquer avant le combat. C'est honteux. Par voilà quoi. Un truc qui met des bifs. C'est vrai. Il a un dard avec deux grosses boules en dessous, c'est bizarre. Je veux pas. C'est bizarre quoi. Cette arme de Xena la guerrière. C'était facile. En plus, j'avais déjà dans mon Pokédex. Vous croyez qu'il a une méga évolution? Ah! Ça, c'est bien. Non, c'est Squall qui a Golgotha, je pense. De toute façon, on met tout en auto-attaque. Et... Alors, Golgotha. T'as pas un dernier? Non, c'est bon. Carte pourrait être intéressant pour faire du pognon. Ouais, mais ça change les ennemis en carte, je crois. Ouais. Comment tu veux faire du pognon? Bah, les cartes, tu les transformes en objets et tu revends les objets. Oh là là, mais ça va être compliqué ça. Tu veux pas magie plus 20 plutôt? Ouais, ou magie plus 20. En fait, faudrait que tu apprennes carte pour. Ouais, bon, on va le prendre, ça fait que 40. Qu'est-ce que vous en pensez, les viewers? Ouais, je sais. Bon, c'est des codes. Mais comme ça, on pourrait le faire en farm. On dirait que aussi, il a des alliés valables. Mais oui, nous sommes décide. Il faudra que. Ah, t'as vu, c'est un Storm Bleacher et. Stefano. On va pas s'en sortir! Appelez les monstres! Les aider, bien évidemment, voyons, ce sont Monster Butcher et Siphano. Allez, on les élimine vite fait dans le dos. Avec honneur et fierté. Enfin, Zell et Linoa, je veux dire. Ah ouais, quand même. Vas-y, Zell, pars devant. Faire d'autres seeds. Ah, écoute, on n'a pas trop le temps. On va te casser la gueule. Et, voilà. Et donc sur Ayuri, il y a une capa qui permet de transformer les cartes en objets thérapeutiques. D'accord. Mais elle est chère. Ah ouais, voilà, c'est ça. Alors que magie plus 20... Ouais, c'est plus utile maintenant. Enfin bon, 40 PDC, c'est pas... c'est pas violent. Doom. Eh ouais! Et t'avais le cul maintenant! C'est au jour que j'avais fait avec cette voix-là, je crois. Avec la voix de méchant de Nicky Larson. Ouais, ouais. T'es j'ai la bimbo! Ça, je m'en rappelle. Symphonique. Pardon. Des fois je m'emporte un peu. Touché. Je suis en train de repenser au combat contre Ojo. Tu sais tout le passage avant avec le métro, etc. Oui. En fait, il y a un skip dans le jeu qui permet de passer tout ce moment et de tomber pile contre Ojo. C'est moche. Et ça te fait gagner facile un quart d'heure, quoi. Ah oui, au moins. Une demi-heure, presque. Parce que t'as le super lourdeau et tout, donc peut-être même plus que ça. Et ce skip se fait pendant la conversation avec Hildegarn, l'autre taré, je sais plus comment elle s'appelle, Scarlett. Ouais. C'est ça. Et je sais plus avec qui il parlait.